Bienvenue dans la cuisine Leila. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire kalia poule avec beau la farine, tout autour d'exila, comme on a habitué faire beau, comment nous dire beau d'ex de Maurice, quand on fait biryani. Alors, on a des huiles pesto ici, on a déjà fini de mettre mon deck. On va mettre un chicken encore. Ok, mettre des huiles pesto et mettre un gros cuillère mortier là-dedans. Et ici, moi, la pomme de terre, je vais vous montrer les autres ingrédients là, à mesure qu'ils nous continuent dans la cuisson. Ça, nos pommes de terre. Si vous avez une grosse pomme de terre, vous allez couper en quatre. Mais moi, j'ai une petite pomme de terre, je n'ai pas besoin de couper. Ça veut dire que nous avons une pomme de terre, fini laver, fini plisser, fini laver. Je vais mettre un chicken de sel avec un chicken de couleur jaune, vous allez mélanger. Et ici, on a un gros oignon, on a sésame et l'ail. Ça, là, on va craser. On a une bonne quantité d'oignons coupés bien fin pour frire. Et ici, on a une poule entière. Mélange, on a blanc, la cuisse, les ailes, tout là-dedans. Si vous n'avez pas envie de servir une poule entière, vous pouvez servir une poule la cuisse, tout seul. Ou bien poule blanc tout seul, c'est qu'ils sont contents. Pour commencer, on va frire la pomme de terre au feu moyen pendant 5 à 6 minutes. Vire de temps en temps. Il y a 6 minutes et là, on va tirer la pomme de terre là. Mettez dans le même bol. Dans sa même de l'huile là, on va frire les oignons. Vous êtes capable de frire les en des batch, c'est comme dire, ce carré pas gros, pareil comme moi, pour vous faire vraiment en départir jusqu'à ce qu'on ait une rose, pas trop rose, moi j'ai une jolie couleur marron. Ok, moi j'ai donné un tip pour frire les oignons, spécialement kalia et biryani. Quand vous mettez les oignons là, frire, viens de temps en temps, comme ça, avec une cuillère, comme ça, les oignons là séparés dans de l'huile. Et ça qui est une raison pour les oignons vin croquant et une autre raison pour les oignons vin croquant, je finis de frire mon premier batch. Quand je finis de frire, je tale dans un plat. Après 5 à 10 minutes, je vais trouver les vin croquant. J'espère que je vais dans ta phase là, ça sent là. Vous trouvez que les oignons là vin sec. Et les engrais. Voilà. Comment ça va? Tu l'as fini mon chili. Là, on va continuer la cuisson. Je vais servir un dexi comme ça, les non-stick, pour que je vais faire kalia. Parce qu'il nous faut mettre beau dia, comme je vais faire beau deg. C'est pour ça que je vais servir un dexi. Mais vous êtes capable de servir carai. Si vous n'avez pas envie de mettre beau deg aussi, vous êtes capable de laisser tomber, pas mettre les. Bon. Nous avons fini de faire. Paste, nous finissons de craser nos oignons, l'ail et les sésames. Ok, ajoute ça dans notre poule. Là, nous mélangeons tout le monde qui dans la poule. Et puis, ajoute des gros cuillères de yaourt nature. La poudre de kalia. Si vous êtes dans la poudre de kalia, vous mettez. Sinon, bientôt, je vais poster une vidéo dans le channel Leila's Home Cooking, ce qui est en anglais là. Et vous pouvez écrire en français, si vous n'êtes pas intéressé pour get mon vidéo en anglais, vous êtes capable de gagner ingrédients là en français, en bas de la vidéo dans la boîte de description. So, bientôt, je vais poster une vidéo dans Kalia so Masala. Ça veut dire nous ajouter ça. Nous ajouter un petit peu de piment vert et un petit peu de la menthe. Je vais ajouter un petit peu de la menthe en plus. Si vous êtes à côté de mili, bien sûr, ajoutez votre côté de mili. Soyons frire. Vous pouvez réserver un petit peu de soyons frire pour nous ajouter dans nos beaux digues. Ajoute sa pomme de terre frire là, avec ce chicken de couleur qui est là-dedans là. Ça même tout, moi pas pour ajouter couleur là-dedans. Ok, mélange tout bien.
Bien sûr, mélange avec la main, les plis bon, mais ça vient cuire le bâton. Je suis presque oublié du sel, pas oublié, je t'en souviens du sel, c'est leur goût. Bon, je vais ensuite un petit peu d'eau. Là-dedans, je vais blend mes oignons là et les hommes. Un petit peu d'eau, pas beaucoup. Je trouve ça de l'huile là, nous pouvons ajouter plus que la moitié, ce qui est là-dedans. Ok, là-dedans, je vais frire les oignons et les pommes de terre. Et je trouve que je bien mélange Kalia. Tout peut paraître bien. Vous êtes capable d'ajouter couleur si vous êtes content. Vous êtes capable d'ajouter safran, jaffran si vous êtes content. Et vous allez laisser comme j'aime, pas ajouter trop beaucoup d'eau, sinon votre Kalia vous avez trop d'eau. Ok, Kalia, normalement, les cuire avec de l'huile plus beaucoup. Mais vous êtes capable, quand vous êtes servi, vous êtes capable de pas prendre de l'huile là, prendre les autres épices, avoid de l'huile là. Ok, pour nous faire un beau déglage, il y a la farine là-dedans, un petit peu de couleur jaune, un petit peu de sel, ces épices Kalia là. Ok, prends un petit peu. Moi, je vais aller des gros cuillères comme ça. Comment j'ai fait de voir ce que vous mélangez bien, tant que vous avez des épices ou bien des de l'huile, mélangez bien. Comme ça. Ok. Après, ça se voit un frère qui est resté là. Ajoute ça là-dedans. Je vais puis ma verre couper. Mélangez-le. Là, nous pouvons ajouter de l'eau, nous pouvons pétrir le. Je finis de mélanger mon bodeg. Il est comme ça. Et là, ne pas oublier qu'il faut là, nous pouvons commencer à le faire. Essayez d'installer votre pomme de terre, votre poule, comme je fais les partout. Vous êtes capable de diviser ça en deux. Ok, according, comme je dis, d'après grandeur, votre dexi. Nous pouvons rouler un petit peu comme ça, long là. Vous pouvez faire des comme ça. Après, vous commencez à l'amance d'ici pour que vous ayez une bonne idée combien de combien était la moitié là. Vous êtes capable de rester ici. Vous êtes capable comment dire. Reste ici, fais les vins comme je dis, pareil pour tout. Il n'y a pas besoin de parfait, mais au moins qui comme je dis, beau là, il comme je dis, pas gros chip chip. Un côté gros, un côté chip chip comme ça. Voilà. Quand il y a ajouté là, là, vous êtes capable de rester comme je dis, pas chier ici, là, vous faites les vins pareil. Ah, c'est ça, prends cette couverture, cette pèse de l'eau là. Pas besoin de gagner tracas de couverture dans un petit trou là, non? Ça veut dire, vous n'avez pas besoin de gagner tracas dans rien, les bouquilles, ça va bien vous sortir par ici. Et, à ce nous parlons du fait, l'eau fait moyen, laissez cuire pendant 20 minutes, après 20 minutes, baisse fou là, l'eau fait doux, laissez cuire pendant encore 20 minutes. Là, nous sommes capables de voir nous guetter comment il était. Ok, Kalia peut cuire le fait doux là. Et il finit 40 minutes. Je vais vous faire attention à la vie là. Prenez une cuillère. Vous êtes capable. Voilà. Vous pouvez tirer là et vous sortir. Ok, après, vous êtes capable de checker votre Kalia. Voilà. Je trouve que nous avons avec lui, et que nous avons cuit le dame. Et que nous avons beau. Ok, nous avons beau aussi, nous finit pareil. Vous êtes capable de mélanger. Et je trouve que nous avons pu rendre l'eau tout ça. C'est pour ça que nous n'avons pas ajouté trop beaucoup d'eau. Donc, il y a. Ok. Nous avons pris une pomme de terre là. Nous avons mis des cylindres cuits. Vous êtes prêts à cuire, vous êtes cassé. Et un petit vino encore. Ferme-le, continue cuire. Jusqu'à nos pommes de terre bien fondant et nos poulines bien cuites.
Tricoteuse infinie oui, je suis capable de prendre cette cuillère, je vais tester cette pomme de terre, je trouve la pomme de terre est fun. Là, je suis capable de faire un petit peu de s'abonner dans mon channel La Cuisine Leila. Je vous retrouve dans une autre vidéo, ingrédients pour dans la boîte de description. Et bye bye!